Salut les petits potes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vol que j'ai réalisé le 20 août dernier dans les Alpes du Sud. Le plan, c'était de partir du Dormieuse, de suivre la crête de la Blanche jusqu'au Cheval Blanc, le tout en aller-retour. Pour les conditions météo, on a un plafond nuageux qui dépasse les 4000 mètres et du vent nord-nord-ouest qui va se renforcer au cours de l'après-midi qui va bien me gêner. On a une rafale à 132 km/h. Après un peu de recherche, je trouve un turbo thermique à plus 5 intégrés juste magique. Waouh! Waouh, c'est atomique, c'est beau! Mais c'est incroyable! Ça pousse. Ma poulie, et c'est parti! L'allée se passe super bien avec la hauteur et le cheminement, en plus avec un peu de vent dans le dos. Je avance sans faire un virage. Juste avant d'arriver au Cheval Blanc, je décide de me mettre sur la crête en pensant que ça va porter, mais je me fais contrer très très fort et je commence à m'enfoncer, donc je décide de faire demi-tour. C'est à partir de ce moment-là que les difficultés vont commencer. Je vais avoir pas mal de vent de face qui va se renforcer et qui va devenir turbulent avec les crêtes. Cette semaine-là, il y avait une compétition de planeurs 4S à Saint-Crépin. J'ai pu enrouler avec certains d'entre eux, c'était super beau. De retour à la tête de l'estrope, c'est là où le vol est le plus turbulent. Je suis obligé de prendre pas mal de hauteur pour passer au-dessus des rabattants et même avec ça, je me fais beaucoup enfoncer. En ressenti, ça ressemblait à peu près à ça. Et c'est encore plus explicite avec la trace. Là, on voit que j'ai une finesse de à peine plus de 1, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de à quel point je me fais enfoncer. Après l'effort, le réconfort, je trouve un thermique qui m'emmène à plus de 4000 mètres. Voilà, c'est absolument magique, je suis tout content et je pense que ça se voit. Après ce moment d'extase, je me fais un peu refroidir en prenant une énorme frontale suivie d'une attaque oblique. Mais heureusement, comme j'ai une baie avec un peu de frein, ça arrête tout de suite la rotation et je me sors de là. Petite frayeur quand même. Hormis ça, le retour se passe plutôt bien en cheminement. Donc je vous laisse avec des images de Saint-Vincent-les-Forts et du lac de Serpenson. Voilà, c'est tout pour le vol d'aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !